Thank you.
Merci beaucoup. C'est l'arrangement de Bill Holman, qui s'appelait Bright Eyes. Et qui c'est qui avait comme solo dessus? Pascal Camor à la trompette. Et moi-même, Richard Beau, saxophone ténor. Merci beaucoup. Et le morceau est Olivier de... Hein? Olivier Huttman au piano. Merci. D'ailleurs, sur le morceau précédent, c'est un morceau de Duke Ellington, vous l'avez reconnu sûrement, qui s'appelle Rocking in Rhythm, oui, c'est bien ça. Et donc, il y avait à la clarinette Francis Cournet à la clarinette et Jerry Edwards au piano, au piano, Olivier Huttman aussi. On va continuer avec un arrangement de un arrangeur un peu moins connu, Greg Hopkins. Mais il a obtenu un prix pour cet arrangement, je ne sais pas si on va le jouer. C'est un morceau de Horace Silver. Nous adorons tous Horace, le hard bop, grand pop, le pop, la soul music. J'espère que vous aimerez notre ville. Thank you.
Donc, pendant les solos, pour les solos, c'était Richard Vaux au ténor. Merci beaucoup. Thank you. Pascal Camor au trompette. À la trompette. Ouais. Olivier Huttmann au piano. Yeah. Et Alain Mouret à la batterie. Alain Mouret. Et maintenant, un classique des classiques du jazz moderne qui va nous permettre d'entendre Larry Brown au chant cette fois. Voici All the Things You Are. Et non pas All the Things You Could Be By Now If Your Mother Was Sigmund Freud's Wife. C'était le morceau de Charlie Mingus, tout le monde connaît bien sûr, qui était fait sur ce morceau. Alors, c'est simplement le vrai. Avec un arrangement de Roger Holmes et Larry Brown au chant All the Things You Are. You are the promised kiss of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening, trembling on the brink of a lovely song. You are the angel glow, the night's a star, the nearest things I know are what you are. One day my happy arms will hold you, and on that lucky day I'll know that moment. All un petit peu, je ne vais pas vous faire de grandes leçons de morale, mais chacun pense un petit peu à cette planète bleue qui est la nôtre, qui est pas mal finalement, en essayant de moins la polluer possible, peut-être qu'on arrivera un peu plus loin. Enfin, toujours est-il que voici Dolphin Dance, morceau de Herbie Hancock.
ce morceau, donc Dolphin Dance, et Francis Cournet à l'alto, Olivier De Face au baryton, Jerry Edwards au trombone, et Olivier Huttman piano. Thank you.
Cherry Juice de jus de cerise au vibraphone Pascal Bivalski en solo, à la trompette Larry Blanc en solo, Olivier Huttman au piano, Séverine Eouzan au sax ténor. Pour le prochain Move on the Bartok, un autre original. J'espère que vous allez participer un peu avec nous cette fois-ci, hein? All right, everybody. Come on, give me some soul clap. Yeah. To understand that the groove is important. We gotta get some fun. Yeah. Our life is really done. Dun, 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 dun. Yeah, come on. Yeah. We wanna take you higher. I feel so good today. Oh, you make me feel this. Let us take you on a trip. We want to give you a good lift. From Bartok down Funky Village to Up City's new stage. Yeah. Thank you.
Merci, bravo à ceux qui ont dansé, hein, c'est super, vraiment. Donc sur ce morceau qui s'appelait Move on the Bartok Scale, il y avait les deux Daniele de l'orchestre. Il y avait Daniele Israel au trombone. Et Daniele Vigilucci. Et il y avait également notre co-leader Pascal Bivalski au vibraphone. Et maintenant, nous allons faire un morceau que j'adore personnellement, un grand classique du jazz moderne. Vous savez que nous, les saxophonistes, nous sommes tous des Coltrane freaks. Nous adorons, enfin, pas tous, mais je pense que c'est difficile de ne pas aimer cette personnalité immense qui était John Coltrane. J'ai son morceau préféré qui s'appelle Neyma, un arrangement de Manny Mandelson. Tiens, il est là, Mandelson, encore. Les arrangements maintenant. L'arranger Neyma, super. Thank you.
Merci beaucoup, merci. Et maintenant, on va changer un peu des standards, on va faire un original, inspiré un peu par l'Afrique, et les Antilles aussi d'ailleurs. C'est une sorte de mazurka, j'espère que vous aimerez, ça s'appelle Yellow Saranga. Dans ce morceau, on entendra successivement le ténor, hein, c'est-à-dire moi-même, ensuite le baryton, Olivier Defeyce. Ensuite, il y aura un solo de vibraphone de Pascal Iwalski, notre co-leader. Puis un solo de piano. Et ensuite, vous aurez droit à un petit échange entre les trompettes. Voici un morceau, pour ceux qui connaissent un peu le groupe Amsa Music, c'est un de mes anciens groupes. C'est un morceau qui a survécu. J'espère que vous aimerez. Tapa, tapa, tapa. Thank you.
morceau qui s'appelle Genèse, mais c'est une longue pièce et ça n'aurait pas cadré dans le programme. On va jouer quand même un petit extrait, c'est-à-dire la fin, le solo de piano et une sorte d'hymne qui résume un peu la pièce. Genèse, comme vous voulez. Thank you.